Et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien aujourd'hui les amis. Dans cet épisode, on va semer une prairie derrière un champ de blé qu'on a récolté en tout début de série pour essayer de couvrir un maximum les terres l'hiver tout simplement, voilà. Et également continuer notre enrubanée. Vous allez voir, la pluie va pas mal nous enquiquiner, mais bon, ça va le faire quand même. On va louer une enrubaneuse, enrubaner ce qu'on a fauché dans le dernier épisode et vous allez voir, c'est plutôt stylé. En tout cas, j'espère que l'épisode vous plaira. Un max de pouces bleus bien évidemment avant de commencer. Moi, je vous dis à tout de suite juste après l'intro pour attaquer les activités. Et donc les gars, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur la carrière suivie FS25. J'espère que vous êtes tous très très bien, que vous avez tous la forme aujourd'hui pour cet épisode 11. Merci à vous pour les retours, tout simplement, sur l'épisode de ce jeudi dernier. Encore une fois, qui vous a beaucoup plu avec la récolte de maïs qu'on a fait mardi. Jeudi, on a plutôt fait de la fauche. On a également acheté une cuve à lisier, hein, pour ceux qui n'auraient pas été là. Donc voilà, on a fait pas mal de belles choses. Et aujourd'hui, les amis, on va s'occuper de semer une prairie sur la parcelle en maïs. Comme ça, on va pouvoir, je pense, occuper un peu le sol l'hiver et potentiellement faire de la fauche d'herbe dans pour l'année prochaine, simplement pour la saison prochaine. Donc on est le dernier jour de novembre pour pouvoir le faire. Je vais vous montrer ce que j'ai fait, bien évidemment, sur le semoir. J'ai fait quelques modifs, vous verrez ça juste après. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien, que vous allez tous à la forme. Merci à vous pour les commandes, encore une fois, d'FS25. Le lien est en description pour ceux que ça pourra encore une fois intéresser, pour ceux qui découvrent le jeu et tout. Bah écoutez, n'hésitez pas, moi ça me soutient énormément. En tout cas, merci à tous ceux qui achètent encore et merci à tous ceux qui ont précommandé le jeu avant la sortie. Vraiment, vous étiez au top. Merci à vous pour ça. Donc voilà, également vous rappeler, j'en profite les amis pour vous rappeler que mon setup volant Moza. Tout est en description, sauf que ça pourrait intéresser. Il y en a beaucoup qui me demandent quel volant j'ai, quel levier de vitesse, machin. Mais écoutez, tout est dans la description, vous avez toutes les références, un lien qui vous dirige vers le site, et n'hésitez pas à aller voir. Il y a vraiment des choses intéressantes avec le Black Friday, en plus, c'est des choses vraiment sympas. Je vous mettrai également le lien, vous savez, avec le pack volant R5 de chez Moza, qui a un prix plus que compétitif avec d'autres volants, du style Ori ou quoi, donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis là, vous avez un volant pour faire plusieurs choses. Un volant vraiment adapté pour faire également du sim racing, tout ce que vous voilà. C'est pas un volant que typé farming, c'est ça vraiment aussi l'intérêt. Vous pouvez faire de TS2 et tout avec, c'est assez sympa. Voilà. Bon, les amis, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous le savez, il y a un mode qui est sorti ce mois, on va dire plus typé ce mois là, a toujours été typé semi-direct, vous le savez. Pour moi, non, enfin pour moi, c'est plus du semoir en semi-direct qu'autre chose, sauf que dans le jeu, on peut pas semoir en semi-direct. Et vous m'avez dit qu'il y avait un mode qui était sorti, du coup je l'ai pris, j'ai fait la petite magouille machin, du coup on a également une trémie ici, enfin système pour l'engrais, donc ça c'est assez stylé. Donc du coup j'ai remplacé le semoir de base par celui-ci. Alors celui-ci il est neuf comparé de l'autre, hein, c'est l'avantage qu'on a. Bon, je pense pas que ça change vraiment grand chose, mais au moins on peut semer en direct derrière nos cultures, et c'est ce qu'on va faire derrière notre récolte de maïs. On va pouvoir semer notre prairie parce que c'est la seule chose qu'on peut semer. Je m'étais dit au mois de novembre, on va peut-être semer du blé, mais non, j'y pite, c'est que le... Non, bah non, les semis, ça s'arrête, vous le voyez, en octobre. Du coup, la seule chose qu'on peut semer, bah, ça reste de l'herbe qu'on va semer. Comme ça, bah, ça nous fera des... Voilà, potentiellement, pourquoi pas, de l'enrubané, tout ça. Et ça fera une nouvelle parcelle d'herbe qu'on pourra peut-être retourner pour semer, soit en tournesol, en sorgho, je sais pas, on verra l'année prochaine en tout cas. Donc là, il va également falloir qu'on continue de l'enrubaner dans cette vidéo-là, avant vraiment la grosse catastrophe en termes de climat, parce que là ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre à tourner. Bon, il pleut un peu, mais je pense qu'en vrai, en semi direct, les gars, il y a moyen que ça le fasse. Bon, je m'étais dit, je vais aller acheter de l'engrais, mais au final, bon, on va mettre de l'engrais juste sur de l'herbe, du coup, on va aller directement à la parcelle. Allez go, on va mettre les feux. Voilà, comme ça,
Nickel. En tout cas, j'espère que vous avez tous la forme. Dites-moi tout ça dans le chat. On se retrouvera en live demain, nous, bien évidemment, à 13h30. On va avancer un maximum dans l'hiver. Et ensuite, on se retrouvera plus au printemps. J'espère peut-être dans l'épisode prochain, déjà de mardi prochain, parce qu'on aura le live dimanche, on va avancer un peu dans cette période. Et j'aimerais bien que mardi prochain, on se retrouve... Il y a cette parcelle-là aussi qui serait à mettre en culture aussi, que j'ai pas fait. Sachant que là, on y sèmera... Ah, pourquoi pas semer plutôt cette parcelle-là, les gars, en herbe, non? Parce qu'il y a l'autre parcelle que je voulais faire en maïs, mais au final, c'est vrai que j'ai ces deux parcelles-là où j'ai rien fait dessus. Donc je vais peut-être plutôt mettre cette parcelle-là. Tant pis, l'hôtel restaurant en maïs pour l'hiver, en chaume, c'est pas grave. C'est pas très très grave. Là, je vais tester. Attends, on va se mettre en mode test complet. C'est nous qui allons le faire, en tout cas, c'est le début de vidéo. Je vais juste me mettre le GPS, direction assistée, bien sûr. Afficher une nuit, automatique, tac-tac. Ouais, une seule fourrière ou trois. Une seule me suffira. Ok. Donc là, c'est bon. J'ai bien ma ligne. J'active mon GPS. Mon semoir. Hop. Et là, j'y vais. Je sème. Et normalement, ça doit semer. Yes, ça sème. Donc ça, c'est cool. Comme ça. Parfait. Bon, les conditions sont vraiment pas top. Ça risque de coller. Oh, tout de suite, ça colle au roux, les gars. J'avoue, les conditions sont pas optimales pour semer. On est d'accord. Mais au moins, voilà, donc j'ai toujours pris le tracteur, on m'avait conseillé de prendre le tracteur d'émission, on va dire, de façon modérée, de façon, voilà, donc là je vais l'utiliser, et tout le reste on va le faire plutôt avec notre massé et tout pour tout ce qui est enrubané. Là pour le semi, j'avoue, je prends un petit peu ce tracteur là, bah écoutez, ça a l'air de plutôt bien se passer, je pense que ça colle déjà aux roues. Est-ce que ça colle déjà aux roues? Là je vois pas trop, on est un peu à contre-jour là, tu vois. On voit pas plus que ça. Non, c'est pas grave. Ça sème au moins? Oui, ça sème. 962, nickel. Ça sème. Impeccable. Le bruit du GPS et tout. Alors, par contre, il faut que je mette le régulateur. On va essayer de travailler en planche un petit peu là. On va prendre cette ligne là. Tac. Voilà. Allez, on y va. Let's go. Impeccable. Hop, on va mettre le régulateur, parce qu'elle est à, du coup, 14 km/h. Nickel. Enlever les petits gyrophares. Bon, par contre, il fait sombre, hein, ça. Alors, il y en a plein qui m'ont dit, Jifit, est-ce que t'as un shader, quelque chose? Parce que le son, enfin, le jeu fait un peu plus... Enfin, un peu plus... style, c'est comme si j'avais un shader, quoi. Mais en fait, j'ai pas de shader, les gars, c'est juste qu'on a les saisons d'actives. Beaucoup ne jouent pas avec les saisons. Moi, je joue avec les saisons, du coup, l'hiver, ça fait un petit peu plus... les couleurs un peu plus ternies, un peu plus... voilà. Donc, du coup, c'est normal que ce soit comme ça. Par contre, il pleut berger, hein. Vous allez voir, j'ai attaqué de presser, mais j'aimerais bien attendre que le soleil, enfin du moins que ça s'arrête de pleuvoir pour continuer mon pressage, parce que sinon c'est pas des plus réalistes, même si ça va pas être très très réaliste non plus de... Même là déjà de semer, bon c'est un peu limite, quoique des fois en conditions, ça peut le faire aussi, des fois en conditions un peu humides, de semer un couvert végétal, si, parce qu'il n'y a pas vraiment de travail du sol, ça va vraiment être un travail de surface avec un disque qui va venir légèrement fendre le sillon, ouvrir le sillon. On a un autre disque derrière, qui vient déposer deux disques qui viennent ouvrir le sillon pour mettre la graine. Un disque, un rouleau, une roue plombeuse derrière. Et c'est ni plus ni moins que ça. Donc voilà, ça va permettre quand même de le faire. Malgré les conditions pas très très optimales, on va pas se le cacher. Mais bon, écoutez, ça. Au moins on aura semé ça. Au moins c'est cool. Même s'il flotte, nous on est à l'abri. En tout cas, je suis content d'avoir pris ce semoir-là en semi-direct. Là, c'est beaucoup mieux. Je comprends pas que ce semoir-là, en vrai, ils auraient dû le mettre en semi-direct direct. Enfin, ils auraient dû, de base, le mettre en semi-direct, ce semoir-là. Parce qu'il est vraiment très, très typé. Semi-direct, je comprends pas. Enfin, je sais pas. J'avoue, je comprends pas. Allez, on lève ça. Voilà. Et là, on va venir chercher la passe d'à côté. Un peu plus large. Voilà. Tac. Donc ça, j'aurais une petite passe à faire au bout après. Et ça va plutôt bien se faire. Comme ça, la prairie va pousser l'hiver. Le but, c'est pas de récolter de l'herbe le mois prochain. Le but, là, c'est vraiment de que ça, voilà, qu'on fasse une première coupe en enrubané, je pense. Ensuite, pour retourner ici, on y mettra sûrement un maïs ou un tournesol, je sais pas. Sachant qu'il y a des cultures que j'aimerais bien mettre en... Mais j'aimerais bien mettre du pois sur cette... des petits pois sur cette série-là, parce que ça rapportait énormément. Donc du coup, voilà. Ça pourrait être quelque chose à faire. Me dire dans les commentaires, mais je pense que c'est quelque chose qu'on pourra faire, notamment dans la parcelle qui est en maïs. On y mettra. Il faut qu'on essaye de blinder au maximum. On a semé nos blés, petits pois.
Après, je pense qu'on achètera peut-être des parcelles déjà prêtes aussi en culture. Genre style aussi une parcelle au printemps ou quoi, au même moment de la récolte qui sont en tournesol par exemple ou quoi, bon, on pourrait se permettre, ou peut-être de la prendre en cours de croissance, comme ça on pourrait y apporter la fertilisation nécessaire. Voilà, on sent peut-être que le soleil a tendance à vouloir revenir un petit peu avec les effets d'éclairage là. On voit que c'est un peu plus clair. Je pense que le soleil a envie de revenir un petit peu. Bon les amis, je vous retrouve un tout petit peu plus tard, je continue mon semis sous la pluie et nous on se retrouve un tout petit peu plus tard pour du coup continuer l'enrubanner, du moins finir de presser et je pense attaquer l'enrubanner dans cette vidéo, puis on finira sûrement en live demain. Un petit accéléré puis on se retrouve juste après. Bon les amis, du coup me voilà rentré à la ferme, je vais sauter dans le massé. Alors attendez, bah oui, parce que du coup j'ai de la console d'activer, voilà. Bah il est allumé, je suis bête. On va sauter dans le massé et on va aller continuer notre enrubanné maintenant que la pluie s'est enfin arrêtée. Donc let's go, allez on va faire ça, puis ensuite on louera une enrubanneuse bien évidemment. Voilà, il faudra qu'on voit peut-être que le silo est fermenté. D'ailleurs je pense que les balles d'enrubanné qui traînent, bah, on va les vendre avec l'enrubanné qu'on fera, parce qu'on a le silo maintenant qui sera ouvert, qui va bientôt être prêt, qui va être arrivé à maturité. Du coup, on pourra tout simplement s'en servir pour nourrir nos vaches. Alors, on va revenir après. Il y a pas mal de bugs apparemment au niveau des... Alors, je sais pas si c'est que des buffles ou des bovins, enfin des vaches, notamment au niveau du fumier. C'est assez galère. Donc là, du coup, bah, je reprends là où je me suis arrêté, parce qu'après... alors, attends, je suis toujours en diamètre 1m50. Oui, c'est bon. Tac, allez, go. Ouais, donc du coup, pas mal d'apparemment de bugs avec le fumier du bovin, enfin des bovins, des vaches apparemment, ça monte pas. C'est vrai que j'étais vraiment choqué de voir que le fumier montait pas. Et apparemment, vous m'avez dit que c'était un bug qui était connu du coup du jeu là. Et que, du coup, c'est un peu chiant parce que, voilà, c'est quelque chose que, voilà, on a besoin de fumier pour nos parcelles et tout, mais pour le moment, bah écoutez, il n'y en a pas. Donc on va faire ça. Alors, j'ai fait des balles d'1m50 justement pour en avoir moins, sachant que j'allais les vendre. Je pense qu'en vrai, ça devrait le faire. On les chargera sur le plateau et tout, ça devrait y aller à 1m50. Sinon, j'aurais fait des 1m25, c'était pour nous, mais là, vu que c'est pour vendre, je me suis dit, on va faire des balles assez grandes, ça évitera on en fera un petit peu moins comme ça. Et puis voilà quoi, on est pas mal. On est pas mal. Allez, go. On y va dans notre petit massé. Massé 7S. Dommage qu'on n'ait pas le 8 d'ailleurs. Bon, ça devrait arriver en mode après. On a eu quelques modes hein, plutôt sympa d'ailleurs. Massette a sorti quelques modes également. Des plaques béton. On a eu un silo miné pour mettre des céréales, des compléments. Enfin, bref, ce que vous voulez, je pense, dedans. On a également eu. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre de la part de Massette? Il y a autre chose, mais je ne me rappelle plus. Des packs de décoration aussi je crois. Bref, on a eu quand même pas mal de choses sympas. Voilà, petit à petit les modes arrivent, donc ça c'est cool, ça fait plaisir. Et ce sera que positif pour les prochaines semaines, quoi, voilà. Allez go, on y retourne. Donc en tout cas moi je suis bien content d'être avec vous sur ce jeu là. On a également fait un petit peu de Flight Simulator. C'était jeudi soir, je vous invite à aller voir sur la chaîne secondaire le live qu'on a fait pour ceux qui n'auraient pas vu et ceux qui kifferaient pourquoi pas le jeu. Franchement on a bien... c'était bien. Franchement c'était bien, donc on fera du Flight Simulator sur la chaîne secondaire semaine prochaine. On s'amusera, voilà. Est-ce que je vous fais des vidéos, je sais pas encore, mais en tout cas sous forme de live c'est sûr on fera.
Mais c'était assez sympa, on était plus de 250 personnes. Bon, j'ai eu des soucis de coupure de courant avec le vent qu'il y avait, la petite tempête qu'il y a eu la semaine dernière. Mais franchement, enfin cette semaine, pardon, mais c'était sympa. Franchement, c'était sympa. Et bah, ça vous a beaucoup plu dans l'ensemble, vous en redemandiez, donc on essaiera de voler. Il y en a plein qui m'ont demandé d'aller voler chez les uns et chez les autres. Tout simplement, mais voilà. Il y a également, ça me fait penser, je reviens, je vois juste un commentaire là, qui vient de s'afficher sur mon téléphone de la dernière vidéo en me demandant bah, justement la sauvegarde, les gars. Moi, j'ai pas de souci avec la sauvegarde. Je vous remettrai le lien dans la description, ceux qui veulent choper la sauvegarde. Mais il y en a plein qui m'ont dit le lien n'est pas actif. Et moi, j'ai cliqué sur le lien, les gars, j'arrive à choper la sauvegarde. Il me semble qu'il n'y a pas de raison que ce soit pas pareil pour vous. J'ai réussi à choper. Alors, peut-être aussi, Naki avait dit par rapport à la sauvegarde de Palonnier, de la série sur FS22 qu'on avait fait. Alors là, peut-être que le lien là ici n'est plus actif, ça je sais pas, j'ai pas regardé. Mais en tout cas, le lien de cette série-là, il est actif. Donc voilà, il y en a qui m'ont dit oui, mais fais un pack avec les mods et tout. Mais ce qu'il y a, c'est que je sais pas, là on est au début du jeu, il n'y a pas 50 000 mods. Je pense qu'il y a moyen que voilà, tous les bâtiments c'est les mods de base. Donc il n'y a pas à s'embêter, on va dire, à se prendre la tête avec les mods quoi. Juste la map c'est une map de base, les mobs il n'y a pas de mod, quasiment maintenant très peu. Enfin, vous avez le corps de ferme de base que j'ai créé avec tout ce qu'il y avait de base. Donc du coup, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas de votre côté aussi. Voilà, c'était juste la petite info aussi que je voulais vous glisser. Allez, quelques bots ici, on va enrubaner tout ça, comme ça après, bah on va pas les vendre parce qu'il faudra qu'elles fermentent, moi je pense qu'on... On s'occupera peut-être de les ramasser ou je sais pas en live. Et puis j'aimerais bien ouais, qu'on passe le temps un petit peu, qu'on essaye de passer un peu début d'année prochaine. On verra normalement ils annoncent de la neige, donc on verra s'il y a de la neige ou non. Mais ouais, je pense qu'il y a moyen qu'il y ait de la neige. En vrai, je pense. C'est avec tout ce qu'ils annoncent, un peu comme dans la réalité, hein, il y a eu pas mal de neige cette semaine aussi. Neige, du vent, c'est un truc de fou. Vraiment, cette semaine-là, c'était une semaine assez compliquée. On va pas se le cacher. Je pense qu'il y a peut-être moyen de faire encore deux bottes. Une botte là et une autre botte après. Je sais pas combien il y a de litres au total, mais bref, je suis pas sûr qu'on fasse... Peut-être que. Peut-être qu'on fera encore une autre botte, peut-être. Peut-être. Je sais pas. Allez, on attaque. Peut-être moyen de glisser encore une autre botte dans... j'aurais peut-être dû passer... Ah, oh, si, il y a moyen. Je pense aussi que ça va le faire. Sinon, j'aurais dû passer en taille 1m25. Ah, mais l'andin... Ah, si. J'ai des bugs d'andin, les gars, aussi, l'affichage des andins qui ne s'affiche pas sur toute la longueur. C'est un truc de fou. Ça, c'est hyper chiant. Vous voyez, ça bug, ça change un petit peu. Ça, c'est un truc qui est un peu chiant, je trouve. Je sais pas si vous avez le souci, vous aussi. Ah si, on aura une autre botte. Par contre, à mon avis, on n'aura pas la suivante. C'est quand même pas mal. Nickel. Et on va enrubaner tout ça avant que la neige arrive. Comme ça, au moins, ce sera enrubané. Ça fermentera. Et on verra. Je sais pas du tout. C'est ça que je voulais voir avant de... C'était le prix de l'ensilage, là. Ça coûte combien, l'ensilage, là? Enfin, ça paye combien? Putain, c'est pas fou, hein. Par rapport, je trouve, pourtant je suis en mode facile pour les prix, je trouve que 367€, c'est pas formidable. Hein. C'est pas foufou en termes de revenus. Hein. Je m'attendais à beaucoup plus. Mais bon, écoutez, on fera avec. Allez, on va louer l'enrubaneuse. Pourquoi ça active pas là? Ah, bah, je voulais ramasser un peu ce qui traînait au sol. Mais ça... Là, il y a une sorte de petit tendin là. Ou c'est peut-être l'ouvrier qui m'a refait un petit landin à la con ici. Peut-être. Ouais, vous voyez, le petit landin, il apparaît vraiment petit à petit après, quoi. C'est dommage, ça. Je sais pas d'où ça peut venir, mais... C'est assez chiant. Allez, hop, impeccable. Allez, on va peut-être prendre nos classes pour en ribanner, pour qu'ils ont changé un petit peu. Hop, la presse, on va la ranger. Et ensuite on va regarder, bon, je pense qu'on va louer sûrement les enrubaneuses de classique hein, qu'on a, hein, pas de presse enrubaneuse, pour le coup on a déjà la presse, donc parce que louer une presse enrubaneuse c'est pas donné, je pense qu'on a bien pour peut-être pas loin de 10 000 balles, non? Moi j'en sais rien, mais... Alors le Valtra il est là les gars, bon c'est du matériel, voilà, qui, bah pareil, avec les missions, bon on avait ce matériel là, du coup, bah, c'était plutôt d'accord, voilà, toujours dans l'esprit de découvrir aussi la série, hein, on est toujours sur une série découverte du jeu, hein, aussi, donc... pas grave s'il y a des véhicules d'émission voilà, liés au bug qu'on a... Enfin, c'est vraiment
un bug du jeu, hein, c'est lié à ça. Du coup, les véhicules, je vous rappelle, des missions ne reviennent pas à leur place, ils restent sortis. Donc, c'est pour ça que je n'ose plus prendre de mission aussi, parce que sinon, on va se retrouver avec 50 000 véhicules. Donc, c'est pas intéressant non plus, quoi. C'est un peu dommage. Allez, entretien des prairies, presse enrubanneuse. Qu'est-ce qu'on a? On a Lago Whale. Il n'y a pas un choix. Non, mais il n'y a pas. Franchement, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas plus de choix que ça. Hein. Vraiment. Blanc, noir, vert, vert nature. Ok, bon, on va prendre vert nature. 28 000 euros, mais on va la louer. Modèle d'emballage avec tourne-balle, oui. Neutralborg. Bon, comme ça, on va la louer. Allez, je la loue pour 1530 euros. Ok. Voilà. Donc, on a largement de quoi faire au niveau consommable, normalement. Tous des véhicules, ça c'est tous des véhicules, à part bien sûr l'enrubanneuse, mais ça c'est tous des véhicules des missions que j'ai normalement fini ou échoué. Enfin voilà, bref, vous savez, avec les panneaux, on y a vite arrêté parce que tout seul, c'est juste impossible à faire. Enfin, c'est trop chiant, c'est pas possible. Attends, je vais juste réinitialiser le petit classe, comme ça on va pas trop s'embêter. Voilà, ça il faudra faire un petit passage au concessionnaire, enfin de la route, comment dire. Allez, on y va, quatrième. Et du coup, ben ouais, c'est dommage. Là, tout ça, c'est que des outils et tout, donc des missions, quoi, en fait, tout simplement. Donc c'est tellement dommage que c'est pas respawn, que ça respawn là, quoi. En fait, là, j'ai des balles qui sont en moi, que je viens de chercher aussi. Donc voilà. Voilà. J'aimerais bien également mettre d'autres animaux, donc on verra. Bon, apparemment, de ce que j'ai vu, les chèvres rapportaient pas mal. Donc, est-ce qu'on mettrait pas une bergerie? Parce que je pense que faut aller dans la catégorie mouton, je crois, pour trouver la bergerie. Est-ce qu'on mettrait pas une petite bergerie? Par contre, on voit que du coup, que les jours raccourcissent. Hein. Là, on est 1443, on voit que la luminosité sur le jeu est vraiment faible, liée justement à cette ambiance qu'on peut avoir même maintenant chez nous, hein, avec la nuit qui tombe vite, tout ça. Donc ça, c'est assez stylé. Et c'est pour ça qu'il y en a qui me demandent, est-ce que t'as un shader? Mais non, en fait, c'est l'ambiance du jeu qui est comme ça, quoi, tout simplement. Donc voilà. J'avais reçu pas mal de messages là-dessus, mais non, c'est bien le jeu qui est comme ça, tout simplement, parce que c'est l'ambiance un peu de ces fins d'année, quoi, voilà. Ça sent Noël, quoi, comme on dit. D'ailleurs, il y en a peut-être parmi vous qui vont peut-être avoir FS25 à Noël. J'espère pour vous, en tout cas, de ceux qui l'ont commandé au Père Noël. J'espère que. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si c'est prévu pour vous ou pas. D'ailleurs, regardez le fumier, on n'a rien, j'en profite là. Le fumier, on n'a vraiment rien, mais rien. Et je veux bien, on a quand même 60 buffs, je crois, donc c'est pas non plus ridicule. Il y a vraiment un bug avec ça. Vraiment, vraiment. C'est vraiment la cata. La cacatastrophe. J'ai vu qu'on pouvait faire des champignons. Enfin, je me rappelle, j'avais même pas fait attention qu'on pouvait faire des champignons, les gars. Pour être franc avec vous. Et là, on peut faire des champignons et tout, donc c'est pourquoi pas tester ça un peu plus tard aussi. Allez, du coup, enrubannage, les amis. Allez, on va démarrer avec la première botte. Normalement, il est juste à la prendre si tout va bien. Voilà. Et puis là, ça devrait y aller. Donc, on a mis nos petites consommables, notre petit filet. Et là, c'est parti. Ça enrubanne. Toujours, on a le mode, vous savez, qui arrondit les balles d'enrubanne. Donc, on va voir avec cette première botte. Je vais me mettre en mode déchargement automatique. Et là, normalement, voilà, la botte devrait tomber. Voilà. C'est tellement plus joli que des. Ah, mais de l'autre côté, ok. Une belle petite botte d'enrubanné. Nickel. Impeccable. Hop, on va prendre la suivante. Donc là, c'est des bottes d'1m25. Et après, on va passer sur des bottes d'1m50. On va voir ce que ça dit sur des bottes d'1m50. Comme ça, au moins, voilà, c'est des regains. Bon, on est un peu tard dans la saison. On est au mois de novembre. Fin novembre, même. Donc, c'est un peu tard, mais bon. Vas-y, tombe que ma petite. Hop. La dernière balle d'1m25. Et là, on va passer après sur de la balle d'1m50. J'espère au moins qu'on peut les enrubanner, pardon. Les emburnes, non, 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 pas ça. Est-ce que ça va marcher là? Sur un balle d'un mètre cinquante, il n'y a pas de raison normalement. On peut rebanner, je pense, toutes les tailles. Voilà, nickel, ça fonctionne aussi. Bon, la balle est vachement plus grosse, mais elle passe. Peut-être même que les plus grandes bottes, elles passent aussi. Et là, en tout cas, elle passe bien. Nickel. Ouais, comme ça au moins, bon, ça va prendre la place sur le. Arrête-toi, Jifit. Ah, j'ai la peine de freiner. Ça va peut-être avoir un peu plus de mal à passer sur le plateau, mais bon. Au moins, ça va le faire. Comme ça va fermenter.
Et ça va fermenter, puis après ça, on pourra vendre ça. Quand ce sera fermenté, ça nous fera un petit peu d'argent parce que c'est pas le but d'en garder pour les vaches. On a largement ce qu'il faut. Pour les 11 km/h, c'est pas mal. Voilà. Hop, on va tourner ici. Nickel. Bah, c'est les premières bottes qu'on enrubanne ou pas? On en enrubanait Oui, parce que c'était les bottes que j'avais achetées avant pour préparer la partie. Mais c'est la première fois qu'on enrubanne du coup sur la série, je pense, hein, tout simplement. Je vais te faire ces bottes-là tant qu'on est là. Impeccable. Ça se fait bien. Voilà. Ah, ça va quand même faire quelques bottes. Là, on est plein. Peut-être qu'on pouvait doser le nombre de films qu'on voulait. J'ai pas fait attention. Là, je l'ai rempli. Peut-être qu'il y a moyen qu'on passe. Là, on est à 7 sur 8. C'est-à-dire qu'on a déjà utilisé. Peut-être qu'il y a moyen justement de réduire les frais en mettant que deux films sur 8, deux rouleaux sur 8, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'il y a moyen de le faire. Ça, j'avoue, j'ai pas fait attention quand je l'ai pris. On regardera ça la prochaine fois, mais peut-être moyen. Comme ça, ce sera enrubanné. Nickel, avant la neige. Oh là, pardon. Autant pour moi. Voilà, tac. Là, on remonte. On va faire la parcelle ensemble, hein. Je pense qu'on sera pas mal. On va tout faire ensemble, ce sera fait. On dirait qu'il neige, mais non, c'est vraiment des trucs qui volent, du pollen et tout. Et ce qui serait bien, parce que là, à cette époque-là, le pollen, on peut pas dire qu'il y en a beaucoup. Mais bon, après, c'est quand même assez stylé, il y a ça là. Hop. Ce sera un peu en travers, mais c'est pas grave. Non, c'est bien tout ça là. Nickel, ça nous fera de la thune en plus. Je sais pas combien il y a de litres, mais. Bon après, on n'y vend pas très. Franchement, je m'attendais. Je suis déçu que sur FS22, on pouvait vendre ça à 400, voire 500 € les 1000 litres. Là, on est à 300 et des brouettes. Donc, bon, c'est quand même un peu moins. C'est un peu dommage pour nous. Mais bon. On va faire avec. Hein. On va faire avec, les amis. Allez, vas-y, tombe, ma petite. Voilà. Elle va tomber aussi et après on sera pas mal pour enrubanner la parcelle et tout, nickel. On a semé notre prairie d'herbe. Bon, les autres parcelles resteront nues cet hiver là. Bon, la parcelle d'avoine qu'on a récoltée en début de série, plus la parcelle de maïs qu'on vient de récolter, que ça restera. Voilà, on va pas semer de l'herbe non plus partout, je pense. Et c'est la seule chose qu'on pouvait semer. J'aurais bien voulu semer si on aurait pu semer un blé au mois de novembre derrière les maïs, on aurait pu semer un blé en semi direct, mais le jeu nous interdit de semer au mois de novembre. Du coup, bon, on fait sans. On fait ça, mais c'est dommage. Ça aurait été sympa. Hop, comme ça on va la lâcher ici. Bon, en vrai, après, je peux la rendre la bécane. Je vais la rendre. Nickel, hein. C'est fait. Allez, bah je la rends parce que je vais pas en faire d'autres de toute façon. Tel véhicule. Du coup, go whale, go whale, go whale. On la rend. Ouais, on peut aller. Ah, pour l'enrubanner, oui, on peut aller d'un mètre 25 à 1,50 m, mais pas plus gros. Heureusement qu'on n'a pas fait des grosses, grosses bottes. On peut monter à 1,80 m, je crois. Heureusement que j'ai pas fait, parce que sinon, ça aurait été foutu. Nickel. Bon, bah, impeccable, ça c'est fait. Allez, on ramène le tracteur, les gars. Et puis, on sera pas mal pour ce petit épisode-là. Tiens, je vais juste passer à un endroit là où je voulais vous montrer où mettre les chèvres, si on fait des chèvres. Oui, je les aurais bien vus, moi, par ici, là. Derrière, on a une zone là, qui est un peu vide, là. Et j'avoue, je les aurais bien mis ici, moi, les chèvres, là. Là. Ici, dans cette zone-là, la bergerie, elle devrait passer. Là, ici, dans cette zone, il y a moyen d'occuper un peu ce coin-là. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz en commentaire. Mais en vrai, moi, je suis assez chaud pour faire ça. Vous me direz si vous aussi, ça vous branche, en tout cas. Et puis, ah oui, par contre, j'irai. Ah oui, j'ai. Oui, le chargeur, là, est.
Oh, il est bugué. Oh non. Ah, vas-y, décroche-toi du sol. Oh non. Oula. Ah, ça c'est chiant. Je l'ai réinitialisé. Il s'est planté dans terre. Mais ça c'est chiant parce que ça devrait pas se faire avec des. Ça devrait pas le faire avec des véhicules de base, des bâtiments. Ah, là, ouais, voilà, les. Elle est foutue, bon, va falloir que je la réinitialise, mais je m'occuperai de ça. Hors vidéo. Oula. Eh ben. Hein? Ah ouais, mais c'est que. Voilà. Là, c'est mieux. Voilà, c'est qu'avec le mode vol, c'est pas toujours évitant. Mais écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Nous, on se retrouvera demain pour avancer dans l'hiver. Essayez de passer un maximum de temps. Bon, on verra quoi faire, mais j'aimerais qu'on fasse un petit peu de bois aussi. Donc, on verra un peu ce qu'on peut faire durant cet hiver. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, un gros pouce bleu. Et moi, je vous dis à demain et pour le live et passez une très bonne journée. Ciao les gars.